Et on va continuer nos nouvelles livraisons et tout ça. On a notre bot. Notre bot qui est là. Si jamais je prends le camion, le bot il peut pas me suivre, on est d'accord. On va voir. On va tester un peu les nouvelles choses. On a déjà... Non, on n'a pas de commande. Ok, ça marche. On va voir. Standard... Non... On devrait... Bah tiens, on doit aller là-bas. On doit aller là-bas pour... voir les nouveautés. Ah ouais, ouais, il y a la route. J'avais pas vu ça aussi. Genre la route, là, en plein milieu de l'écran. Attendez. J'avais pas vu ce morceau de route. Moi, j'avais vu celui-là. Là, qui est à moitié construit. Il y a celui-là aussi. Okay. Ouais, donc il y a vraiment une route maintenant qui passe en plein milieu de la montagne. D'accord, elle continue comme ça. Avant, elle s'arrêtait là. Maintenant, ouais, maintenant ça doit faire la montagne. Ça, c'est bien, ça. Ça c'est vachement bien. Parce qu'on devait faire toute le tour, en fait, si on voulait être sur la route. Ou alors, sinon, vous faisiez des tyroliennes. Comme moi, par exemple. J'avais fait plein de... Enfin, tout le monde fait ça, honnêtement. Tout le monde fait ça, des suivis de tyroliennes. Qui est très efficace. Mais bon, c'est vrai que, bon, en route, c'est quand même mieux. Alors... ouais, je voudrais aller là-bas. Parce qu'on a quelque chose à faire. Donc, autant prendre donc la mission qu'on a, là. On va voir. Donc, accepter commande... Donc ça, ça a l'air d'être nouveau. 631, ouais, ça doit être nouveau, ça. Livraison de matériaux pour la réparation des véhicules. J'arrive plus à parler, moi. Ok, c'est parti. Ah, attends. Attends. Faut la mettre en livraison premium. Voilà, parfait. Alors, on y va à pied ou en camion ? Genre en gros, c'est-à-dire on y va avec le bot ou en camion? Genre le camion, le bot il peut pas aller dans le camion, le mecha-bot. Bots ne peuvent pas effectuer des livraisons en dehors des réseaux chiral, à noter, ils ne peuvent pas non plus traverser les terrains rocailloux ou accidentés. Changer de mode. Alors, livraison de marchandises chargées sur le bot seront automatiquement livrées aux destinations voulues. Meilleure évaluation que vous puissiez obtenir par la livraison est A. Si un bot avait livré plusieurs caisses de marchandises, il commencera par la destination la plus proche, puis la deuxième la plus proche, et ainsi de suite. D'accord. Et après, livrer les marchandises chargées. Bon, on va suivre Sam. Ah, on peut changer sa couleur. Attends. J'ai pas vu. Non, on peut pas. Ok. Ça va être cool. On peut le custom. Alors, porter sur le dos. Fais voir si je mets sur... Charger sur le bot. Après, c'est mieux d'avoir ça dans notre sac à nous. Comme ça, c'est protégé. Mais fais voir si on prend... Fais voir si on prend ça. Genre, est-ce que bot, tu peux rentrer? Ah! T'es sérieux? Tu peux me suivre? Genre sans déconner ou tu vas très lentement? Ah, il peut plus ou moins me suivre. Intéressant, intéressant, intéressant. Ok, on va transférer le camion sur le bot. Mais c'est intéressant de savoir ça par contre. On a des sprays qui sont attachés. Par contre, je vais prendre ça. Ah ouais, non, c'est beaucoup de matériaux en fait. Oh, je peux tout mettre dans le dos. Dans la protection, ça tue. Parfait. Parfait. On a le non létal sur nous. Toi t'as quoi? Arme de poing, anti-émeute, tout ça. On pourrait l'équiper en plein de grenades et tout. Le bot ça pourrait être genre le truc qui nous... Genre le ravitaillement quoi. Bon allez viens bot, on y va. On va s'amuser. Alors du coup on y va à pied. Ça va prendre du temps mais on va s'amuser.
On peut faire la route, puis après on peut passer à gauche directement et faire ça. J'ai envie de tester la catapulte aussi. J'ai jamais testé. Alors, je vais voir comment ça marche. Utiliser la catapulte. Donc je pourrais balancer genre tout ça. Genre combien on peut en balancer? Ah ouais, tout ça en fait. Ok. Alors, on va d'abord tester avec des trucs qui sont qu'on peut casser. D'abord des trucs qu'on peut casser. Genre le spray et le canon collant. Ok. Ok, alors nous on doit aller vers là-bas. Comment ça marche? Revenir au chenet marchand et lancer. Ok, nous on doit aller là-bas. Ok, ouvrir le parachute. Pas dans l'eau. Ah ok, on fait des impulsions en fait. Cool. Cool, cool, cool. Et c'est à peu près à combien de mètres? 260 mètres. D'accord. Allez, go! Donc on peut balancer les trucs à 260 mètres. Ouais, ça, le mieux c'est en fait par-dessus les montagnes. C'est surtout ça en fait qui est intéressant. C'est pas vraiment pour la portée, parce que c'est pas loin du tout. Ouais, c'est pas loin du tout. Mais c'est intéressant. La marchandise. Ah ok, tu passes directement comme ça, ça marche sur le bot. Hop là. Let's go. Ah gros, je te regarde pas hein, le bot, hein. Tu te débrouilles. Hein. Je veux voir un peu l'efficacité que t'as quand même. Hein. Pour l'instant, on a le... On a la route, mais après... bon, ça dit, normalement, il peut pas aller sur du terrain rocailleux et tout ça. On va voir. Et on fait la course. On fait la course. Il a l'air d'aller très vite, hein, parce qu'il s'arrête, en fait, souvent. Genre, quand il est à ma hauteur, il s'arrête. Voir un peu. Alors, on devrait passer maintenant à droite. Du coup, on prend mon pont et en fait, on continue comme ça. Genre, comme ça. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais... Ouais, voilà. Allez, on y va. Monsieur le bot. T'arrives à passer? Ouais, des petits cailloux, ça. Ça va. Attends, viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Okay. Porter sur le dos, monter sur le mec-up. Vraiment. Ok, ça marche. Tombe pas. Bon après t'as pas grand chose de fragile. Genre là, qu'est-ce que t'en penses de ce terrain, bot? Genre regarde, hop, tu fais que avancer, ça marche. Ah il esquive les... Ok, ok, ça va. Ouais. Vas-y, viens. Ouais, non, ça va, il se débrouille. Ok.
Hey, hey. Ça va, il se débrouille, il se débrouille. Ah, on aurait dû peut-être monter. Je sais plus exactement après le terrain. On va voir. C'est bien d'avoir la protection là. Du sac. On peut protéger quand même pas mal de caisses. Ça permet de pas les rafistoler toutes les deux minutes. J'ai l'impression qu'il se débrouille mieux quand on le regarde pas. J'ai l'impression que peut-être il a une sorte de petite téléportation. Vous savez que quand il est hors champ, en gros le bot se téléporte un peu. Genre s'il peut passer, il passe automatiquement. Parce que j'ai l'impression qu'il se débrouille vachement bien quand on regarde pas. Ah, là par contre ça va pas être la même. On va voir un peu. Ah, il essaye de me rejoindre, intéressant. Ah, il va peut-être pouvoir me rejoindre après en fait. Ça aussi, parce que on a une portée, je crois, de plusieurs... je crois que c'est peut-être 600 mètres, un truc comme ça, où les objets disparaissent pas, et après, si on va un peu plus loin, ils disparaissent. Je sais plus exactement, honnêtement. Mais peut-être que ça a augmenté, en fait, grâce au bot. Parce que vu qu'on peut l'envoyer livrer des objets et tout, du coup, lui, il se balade sur la map, en fait. Ok, mets-toi endommagé, ça c'est le... ce qu'il a sur lui. Attends, ouais, t'es en train de me rattraper en fait. En fait, je pourrais complètement rester avec lui. Je pense que j'aurais pu complètement rester avec lui. C'est intéressant que le bot continue à plus ou moins nous suivre en fait. Là on devrait être bon. On devrait pouvoir le revoir. Yeah, tu gères. Non attends. Parce que j'ai pas envie d'abîmer le... Enfin j'ai envie de garder... tout ça. Mais reste là, bouge pas. Vraiment cool, honnêtement vraiment cool. J'avais peur que au bout d'un moment ça fasse genre ouais le bot est trop loin donc il est rentré à la base ou automatiquement. Mais en fait non, il attend vraiment qu'on lui donne des ordres genre pour rentrer à la base en fait. Ok, on a des mules. Alors, par contre, c'est quoi? C'est du métal? Parce qu'à la limite, on peut balancer ça. On va perdre quoi? 400? Ou on perd 600? C'est combien? 400 qu'il faut? Ouais, honnêtement, c'est pas très grave. C'est franchement pas trop grave. Voilà. Ah. Just so you know, Sam, distro centers and the like are stocked with materials you can use to fabricate equipment. You can also take what you need to build structures. That said, there are limits to what each facility can spare. Check their terminals to see what they are. Ça marche. Ouais, on a encore toutes les... On a toutes les...
Ah, par contre, les... Ah, putain, ça a gardé en mémoire le surplus. Oh, c'est nouveau, ça. Je suis quasiment sûr que c'est nouveau, ça. Il y a déjà 600, en fait, dedans, de métaux. Ah bah du coup, let's go, niveau 3 du coup, d'un coup, direct. Normalement. Oh, ça tue. Je suis quasiment sûr de ça, parce qu'avant on perdait ce qu'on avait mis, je pense. On perdait le surplus. Hop là, niveau 3. Direct. Voilà, très bien. Ça, c'est vachement cool. Alors, par contre, je vais juste... porte-outil... Ça, c'est un peu embêtant qu'on puisse pas remettre les choses directement sur la combinaison. Genre, ce qui est sur la combinaison, on est obligé de passer par le menu, si je dis pas bêtises. Bon, après, c'est rapide. Hein. Bon, allez, on y va, on avance. Avant que tu me donnes... un clem pour la musique. Donc nous on doit aller à la ferme. On pourrait aller se faire des mules. On pourrait aller se faire des mules. There we go. Ouais, on a 222 de munitions. Ça, c'est top, hein. Honnêtement, les... Voilà. Comme ça, ils seront pas alertés. Oh, merde. Oh, ok, on a été capté. J'étais peut-être trop lent pour le désactiver. Ah, ils ont tous des mitraillettes maintenant. Des mitrailleuses. Ils en ont tous. Hein. Tous les cons en ont. C'est bien ça. Alors, est-ce qu'ils peuvent voir le bot ? Ah, là, il a vu quelque chose. Ouais. Alors attends, est-ce que... Merde, attends. Attends, je sais que je peux me camoufler. Je crois que c'est trop tard. Je crois que c'est trop tard. Il tire sur qui? Sur moi? Je crois qu'il tire sur moi. Mais ils ont des armes ici? Je me rappelle plus qu'ils avaient des armes. Oh, la mitrailleuse. Oh putain, il m'a roulé dessus. Espèce d'enfoiré. J'ai pas de taser sur moi. Hein. Non, j'ai pas de taser. Je devrais être tranquille derrière le camion. Oh la vache! Oh non, je vais m'évanouir? Non. Oh. Là, les mecs, ils sont beaucoup plus violents. C'est la première fois que j'ai des mecs comme ça qui me roulent dessus, en fait.
What the fuck, quoi. Faut qu'on aille récupérer notre matos pour la livraison. T'inquiète pas, bot. T'inquiète pas, on va se les faire. On va se les faire, t'inquiète. Alors... Alors, Mechabot, tu vas garder ça. C'est parti. Ah, ils sont tous... Ils sont tous réveillés les uns les autres aussi. Oui, ils sont tous électrocutés. Enfin, piratés. Alors, est-ce que je peux lui dire d'aller à un endroit précis? Ou alors on est juste limité à... Genre rentre à la base, des trucs comme ça, le bot là. Mais... Ah oui, non, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, parce que quand il y a plusieurs choses en fait sur le même icône, on peut faire comme ça. Donc Mechabot, passer en mode veille. Le bot se rendra à l'installation connectée au réseau Chirol la plus proche. Une fois sur place, il sera remise. Il sera remisé et mis en veille. Vous pouvez consulter la marchandise transportée. Ok, ça marche. On va le garder en suivi. Ok, ça marche. Assez violent, les mecs. On les voit pas foncer comme ça, comme des connards, là, souvent. La plupart du temps, ils évitent hein, de le faire. Merde, y'a un mec derrière moi que j'ai pas vu. Oh, oh attendez, attendez, je viens de m'apercevoir que j'ai laissé un truc. Qualité, modèle, display d'ombre, ambiance, spatiaux, profondeur de champ, flou du de mouvement. Non, alors ça non. Ça, non merci. Voilà. Là on est mieux. Là je peux voir en fait les choses quand je bouge. Oh merde. Attends, il m'a vu. Non, il a juste aperçu. Voilà, il m'a vu. Ok, je pense pas qu'il ait alerté tout le monde. Ok, là, par contre... Peut-être le bot... Okay, ils sont pas exactement en alerte encore. Du coup, on peut vraiment tout prendre en fait. Le bot, je sais pas combien de il peut transporter le bot. Reste là, reste là, reste là. Voyons, par contre, ça t'es un peu chiant. Ouais, non, t'es un peu chiant. Peut-être faut que j'aille vite dessus en fait. Comme ça il bouge pas. Ah il a vu le bot. Ah non il a vu son pote. Ah
Ouais, je me demande si le bot il est pas invisible aux yeux. Ça m'étonnerait honnêtement qu'il soit invisible aux yeux des ennemis. Ça m'étonnerait vraiment. On va sur lui, on relâche et hop. Comme ça c'est beaucoup plus simple. Non, par contre c'est de la merde, hein, mais c'est pour voir un peu combien il peut transporter. Aïe aïe aïe. Non. On va pas être copains. Ah merde, c'est peut-être trop. Tu peux voir ça? Non, il peut pas. Celle-là, elle peut. Non, je crois qu'elle peut. Non, il peut que des petites. Encore 4 petites en fait. D'accord, ça marche. C'est sûrement par rapport à la taille et pas par rapport à la... au poids en fait. Par contre, les hautes densités là, le jeu il m'a pas... Le jeu fait un peu des trucs bizarres quand je le lance. À un moment il était sur l'autre écran et tout ça. Je veux voir s'il a pas reset. Non, il est toujours très difficile. Je sais pas, les graphismes sont un peu étranges, j'ai jamais eu de problème avec la version normale du jeu, mais là, des fois... Après, c'est pas vraiment des problèmes. Ça, est-ce que ça va passer sur le bot ? Oh, le truc, il avance à découvert. Je pense pas que... Non. On va garder sur nous. Faudrait qu'on fasse le tri en fait. Je crois qu'ils ont vu le bot. Parfait. Pas mal hein, ce lance quand même. Non, mais si tu te mets devant comme ça, ça va pas le faire. Est-ce que le nuage va le toucher ? Putain, on a plein de grenades du coup. Putain, c'est vachement bien en fait. J'avoue que... Ouais, c'est cool le chargeur en plus. Ouais, ça change un peu là. Normalement j'aurais balancé mon arme et tout déjà. Est-ce que c'est abîmé? Dégâts... Ah, dégâts sur le conteneur. Ah putain, on va pas avoir S.
C'est pas grave. C'est pas grave. On va tout prendre. Boîte de stockage. On va prendre un camion. On va leur emprunter un camion. On va dire au bot de rentrer. Merde, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Bot. Yo, bot. Il met qu'un bot. Hop là. Très bien. Bon, on n'aura pas S, c'est pas grave. Ah, il fait voir le truc avec la corde là où j'ai mal lu en fait, peut-être. Attaché à la cible, un peu comme l'état, il fait voir. On peut pas attacher. Je sais pas, j'avais lu un truc comme ça où on peut. Je sais pas, j'ai dû rêver. Excusez-moi, je passe. Il y a encore du monde. Hein. Ça va, il arrive. Non, ce que je vais faire, c'est ça. On va récupérer tout ce qu'il y a par terre. Je sais pas si on a là assez de place pour le camion. Ouais, ça va. Est-ce qu'on a tout pris, tout pris? Non, il en reste encore. Par contre, on va s'occuper. Un peu dur de voir. Je crois que ça m'a dit que le bot était rentré, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Ouais, il y a l'alarme parce qu'il en reste encore, mais je sais pas où ils sont. Ah. Ok, il y en a deux. Là ou pas? Non. Putain, on peut les faire détonner en l'air quoi. C'est pas mal ça. Putain, c'est pas mal. Merde. J'ai bougé ça. Ma faute. J'aurais dû me redéplacer vers les caisses que je pense pas que j'ai tout là. Ah si, ça va. Ok, on est bon. Bien. Parfait. On les a tous eus. Ah, il y a eu Mechabot réparé. Très très bien. Ah merde, j'avais un peu peur de ça.
Mais chier, on est trop... Il y a trop de marchandises. Ils sont un peu pourris ces camions. Hein. C'est genre les premiers camions qu'on peut récupérer, ils sont assez pourris. Est-ce que ça, ça passe? Yes, c'est bon. Encore une fois, c'est pas lié au poids, c'est lié au... au nombre de boîtes en fait. Et la forme aussi. Si c'est des petits, moyennes, des larges, des XL. Je crois que là on a accès au contenu du camion, je suis pas complètement sûr. Bon déjà on va livrer ça. Notre marchandise et les marchandises des gens qu'on a trouvés. Ouais, on a un peu merdé. Ouais. Le bracelet de ma mère. Take care of yourself, Sam. Ouais, ouais, ouais. Come back again anytime. On a merdé. You'll always be welcome here. C'est la voix du mec dans Deus Ex. Quasiment certain. Alors, fais voir, on va faire... Ouais, on a accès au camion, ça va. Non, ça c'est le privé, ça c'est l'étagère. On n'a pas accès au camion. D'ici, ici. Je le vois en arrière. Il est où le camion? Ah, il est là le camion, okay, ça marche. Alors, on peut recycler tout ça, ou alors... Fais voir les matériaux. Je pense qu'on peut en recycler un peu. Non, on est plein partout en fait, ça servira à rien. On peut les stocker. On peut les stocker. À la limite, non, pas ça. On va stocker les hautes densités. Camion. Genre les bottes argentées, parce que ça c'est nouveau. Haute densité. Je crois qu'on a que ça. Ah oui, non, si, on a encore un peu. Hop. Ah, très bien. Et après, on peut tout simplement faire un don. Parce qu'on est sympa. Voilà. Alors, fais voir. Commande, standard. Ah, on n'a pas de... matériaux pour entretien de véhicule. Ah, faut aller en récupérer. Ok. Bon, on n'a pas de livraison perdue. On n'a pas de mission spéciale. Je pensais qu'on avait quelque chose à faire, mais apparemment non. Delivering cargo. Ah, il y avait une image en plus. Ça, je l'ai pas vu. Ça, c'est pour se reposer. Bon, bah du coup, on est reparti. Je veux bien faire les nouvelles choses, genre livraison, matériaux pour entretien de véhicule. Donc il faut faire quoi? 36 kg, moins de 8 dégâts, ok, c'est 8% de dégâts, ça marche. C'est juste à côté, on peut faire ça. Faut qu'on récupère le bot. Ah, ben voilà, on peut. Changer de mode, suivre Sam, très bien. Des casiers privés, chargeurs supplémentaires. On peut prendre des chargeurs supplémentaires maintenant, c'est vrai.
un anti-émeute, ça, supérieur, le spray, le canon. Et on met ça sur le bot. Ah oui, mais le bot il doit pas être à côté en fait, pour le moment. T'es où, bot? Oh. Comment ça fonctionne? Mechabot. Mode suivi. Ah yes, ça y est, il est revenu. Ah mais t'as tout... T'as... Oui, t'as gardé tout ce que t'avais sur toi en fait. Ah. Intéressant. Alors... Vas-y, on va tout donner. Ce qu'il y a sur le bot. Enfin, je crois que c'est pas vraiment important. Ça, ça. Allez. Ah, ça fera des cadeaux. Et ramène-toi. Waouh, il saute et tout. Ah ouais, non mais. Voilà. Allez, c'est parti. On peut couper par les champs? En théorie, on devrait pas, c'est pas bien. Mais vraiment sympa ce bot, ce méca bot. Vraiment, vraiment cool. Bon, ça a l'air tranquille. Il y a pas d'averse, rien. Strictement rien. Un peu plus loin, mais... Ça, c'est à l'eau, ça, en fait. Il y a une autoroute ici. What? Mais elle va où, l'autoroute, du coup? Ah putain, mais c'est énorme, il y a plein d'autoroutes partout en fait. Ça tue. Alors par contre, pour faciliter les choses, ce qu'on va prendre c'est ça. Que ça risque de nous être utile. Faudrait que j'enlève, je pense, le tutoriel, parce que je l'ai mis sur une chose, mais bon, il y a quand même beaucoup. Genre, la première fois, en fait, et après le tutoriel s'arrête. Genre, la perte de marchandises, là, on s'en fout, on connaît. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de tutoriels, du coup, à repasser. Donc, je sais pas trop. Je vais tester, je vais voir si j'arrive. Enfin, j'ai peur de casser le marchandise. Je vais voir si je me rappelle de comment on fait. Ok, cool. Ça va. Il est vraiment cool, ce canon.
Lou a aimé le sprint. Someone's happy. Comment? Oh, je l'ai pas mis sur la. Sur la, la manette. Faut que je mette le bébé là sur la manette, je me rappelle plus où c'est. Option paramètre de jeu, je pense. Connexion, masquer les panneaux. Bon, après, c'est pas très grave. Hein, mais... partage de ma fiche, c'est des astuces. Commande pour calmer bébé. Voilà, fonction de détection de mouvement. Ouais, c'était pas mal le truc de, d'utiliser ça avec la manette PS4. Bon, bah du coup, on est bon, je crois. Je pense qu'on est bon. Faudrait que je récupère tout sur le dos pour savoir si j'ai tout, mais... On va essayer de lire là les choses. Matériaux. Ouais non, ça me dit pas vraiment en fait si on a tout. Faudrait que je l'ai sur moi et là ça va me dire. Mais on doit être bon normalement. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est un peu de combat et tout, faire des tests. Genre le stand de tir, refaire les combats de boss, trucs comme ça. C'est quoi ça, une rampe qui est en train d'être construite? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La tour est pas améliorée. Ah oui non, c'est du spécial. Pont Chiral. Mais c'est un petit pont. C'est marrant ça. Ah mais oui, mais il est... D'accord. C'est des petits ponts en fait. Pour une personne, c'est pas les gros comme les, pour les véhicules. Ah, c'est sympa ça. Oh, très sympa ça. Livraison partielle. Attends, on peut faire... faire une livraison partielle et continuer. Laisser livrer la marchandise transportée et laisser la commande ouverte. Oui. Ah, il faut que je sélectionne. Voilà. Mais pourquoi j'ai pas tout? J'ai vraiment pas tout? Pourtant, il n'y avait rien d'autre. Attends, on va tester le système. Parce que c'est vrai que j'ai jamais fait en fait. Genre. Livraison partielle. Ok. Suite. Normalement, ça la laisse ouverte. On va voir. Je vais être sûr. Ok, très bien. Ok, on n'a pas eu le reste.
Du coup, on va faire ça. On va prendre le camion. Tu peux monter à l'arrière hein, si tu veux, le bot. Oui, je sais. Oh mon dieu, en camion, vas-y, on y va. Eh, ça marche un peu. Ah, là-bas. Waouh, je suis passé à côté de tout ça. Bah merde alors. Putain, je suis aveugle. Oh, y'a le bot qui est venu. Là-dessus. Ouais, c'est bon, on a 36 kilos. Ah bah tiens, attends, viens ici. Alors, montez sur la bot. On va la descendre la plus proche. Allez, ferme des précipitations, c'est ça. Les meilleures versions qu'on puisse obtenir, si ça m'honore une livraison à bord d'un mécabot et A. On peut tirer? Non, on peut pas. Ouais, c'est marrant. Genre, il passe par le pont et tout. Ça, ça doit être compliqué à faire, par contre, je pense. Parce que on peut avoir des structures, en fait, un peu aléatoirement à cause des joueurs, en fait. Et du coup, faut faire une bonne IA qui soit pas, genre, perturbée par les structures qui sont... qui sont mis aléatoirement comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ah et par contre lui le bot il s'en fout hein, du blé, hein. Lui il passe dedans. Alors où est-ce que tu vas me déposer? Et merci. Ah ouais, tiens, tu me mets juste devant et tout, quoi, ça tue. C'est le meilleur ami, quoi. Ah, parfait. Delivering cargo. Always a pleasure, Sam. Was it a rough trip this time? That's more than enough. Parfait. Ok. Journal de Higgs. Pourquoi on a eu un A? C'est parce qu'ils ont considéré comme quoi j'avais fait ça, une livraison avec le bot. Parce qu'à un moment, il y avait écrit vous pouvez avoir que A au maximum avec le bot. Genre c'est ça en fait? C'est parce qu'on a le bot avec nous? Ah c'est con ça. L'artiste Chiral. C'est pas là, hein, mais je regarde juste au cas où. Ouais, non. L'artiste Chiral, c'est... Collecteur... Studio de l'artiste Chiral, c'est ça? Oh, gros, t'as vu où je suis, moi? On peut aller à la ville, à la ville relais du sud.
Ah. Ouais, attends. D'abord, on va virer le bot. Ouais, mode veille. Allez, à plus tard. Putain, mais c'est loin. Bah tiens, parfait, on a un camion. On va en profiter. On va passer par l'eau. Genre la petite rivière, là, c'est pas profond. Normalement, on peut passer. Voilà. C'est quoi, ça? Ah, c'est une catapulte. Okay, très bien. Normalement, on peut passer par là, si je me rappelle bien. Faut juste que les batteries tiennent, en fait. What? Attends, mais il y a des... Pas censé avoir des trucs ici, hein. Ou alors c'est parce que... Ouais non, mais même les bestioles en fait, il n'y en avait pas des gros, des bestioles comme ça. Là. Et il y a des objets dessus. Oh, c'est chelou. Ah, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Ça c'est quoi? C'est un fusil à pompe. On va prendre ça. Ouais, il y a que ce qu'il y a que en fait. Et ils vont m'attaquer ou? C'est marrant ça. C'est bizarre. C'est nouveau. Normalement quand ils font ce bruit, c'est à dire qu'ils attaquent, je crois. Non, non, ça a l'air d'être ok. Ça. Ah, ça fait des cristaux maintenant, certains. Ouais, ça. Oh, cool. Oh, il y a plein de cristaux là. En plus, c'est des gros cristaux. Encore à porter. Très étrange, c'est marrant, ça rajoute un peu de, bah, de nouveauté quoi. Dans le monde déjà étrange. Elles ont pas l'air d'attaquer. Hein. Parce que normalement ça te... ça va directement sur ta gueule et ça explose et tout. Bon allez, on retourne au camion.
Mais c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Petite nouveauté comme ça. Alors... on devrait pouvoir monter si on glisse pas trop. Attention, pas glisser. Pas sur la droite, pas sur la droite, pas sur la droite. Oh mon Dieu. Ok. Go, monter. Non, 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 là tu vas aller dans le ravin. Ok, go, monter maintenant. Ah, c'est toujours la merde cet endroit. Ce camion là. Ah, ok, on est bon. Tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Oh mon Dieu. Tourne. Non, non, tu descends, tu descends. Stop, stop. Oh la vache. Ça, c'est vraiment pas tout terrain. Ça. Dès qu'il y a une petite pente, c'est la merde. Allez. C'est juste là, quoi. Merci. C'est bon. Ah bah putain. Ça va, on a des... non, on n'a pas de batterie. Si. Je suis aveugle. Qui se mettent à l'abri. Ah là-bas on a une batterie. Je pensais aller me faire téléporter par oh, qu'est-ce qu'elle a le saut, pourquoi elle s'affiche, me téléporter par fragile, mais en fait on peut pas vraiment se téléporter plus près que ça quoi, donc du coup on va y aller en camion. On va enlever les... Ok. Donc du coup... ouais, on va passer par la ville qui est infestée. Ah, vous savez quoi, on va peut-être... si on se fait attraper, on se fait attraper en combat. On verra. Genre, ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu. Vas-y, on va se laisser attraper. Non, on perd ce qui est pas protégé, c'est pas grave, enfin c'est par terre. Oh, c'est un des lions. Ok, merde. Ok, c'est pas drôle. Ça va, on va prendre... oh putain, il y en a plusieurs. Faut se mettre... ouais, très bien. Il va faire le laser. Enfin, on l'a arrêté. Ça va, il a pas fait... il a pas fait tomber le bâtiment. Ah, lui par contre, ouais, trop tard. Oh, 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 oh. Regardez ça. Ok, très bien.
Oh cool. Merci, merci. Ah l'enfoiré. Merci, tu gères mec. Qu'est-ce que tu dis? Oh. C'est cool, on les a eu. Lou est impressionné que Sam ait vaincu l'échoué. Marrant ça, nouveau. On se fait plein de bruit maintenant. Ça faisait pas autant de bruit. Ça c'est cool. Ce qui est bien c'est que le fantôme nous a donné un truc vachement bien. C'est la poche de sang haute capacité. Il y en a 1000 dedans. Ça c'est vraiment cool. Dans la poche. Oui, ça m'intervertit, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Ok, tout est bon. On va prendre celle-là sur notre dos. Équipé. Ah, très bien. Bon, on récupère tout. Ça prend un petit moment. Bah, les combats restent cool, c'est toujours très stylé. Bon après on est bien équipé évidemment. On est très très bien équipé donc ça se passe bien. Par contre ici ça reste pas longtemps sans la pluie donc on devrait même partir maintenant. Fait les cristaux. Qu'est-ce qu'ils sont bien ces gants, meilleurs gants du monde. Ok, et notre camion est là. Ça, on reprend. Hop là, et on est reparti. Oh mon dieu, une putain de truc quoi. Ouais d'accord, le genre une rampe dans l'eau quoi, trop bien. Ça ira, merci. Là on a... C'est là normalement. C'est sûrement pour débloquer une nouvelle... un nouveau plan, quelque chose de nouveau. D'abord, on peut faire un don d'armes et d'équipements. Hop, c'est de la haute densité, je sais, mais bon. On peut être sympa. J'envoie des armes qui sont presque vides. Pas très bien, ça fait quand même des likes et puis bon, ça peut toujours être utile à quelqu'un qui est genre en rade de quelque chose. Des fois moi j'ai eu des trucs qui m'ont bien servi aussi donc bon, autant donner. Ressources solubles dans l'eau conservée dans du vogue pour le développement de matériaux. Okay. Nombre d'éléments à livrer 3, avertissement de vogue, donc ça c'est avec le gaz pareil.
Ça marche. Normalement, ça devrait pas être très compliqué. En plus, on a un camion. Ah, tu... Ouais, on fait voir. Fog can only be safely transported in a sealed container. And if that container breaks, you've got a toxic gas leak on your hands. You should pack some extra repair spray just in case. Fog is invaluable for the development of new technologies. And those same technologies might be of benefit to you someday. Mm-hmm. Si je mets tout dans le dos, ça fait quoi? Ok, attends. Hop. Camion, grande autonomie. On va mettre le transporteur aussi dans le camion. Et là, on est pas mal. Ah, je peux même mettre prendre une arme en plus à l'arrière. Parce que j'ai assez la place pour encore honnêtement un médium, je pense. On va prendre ça. Genre, pas sur le dos, oui, mais voilà, dans le coffre, dans le sac, quoi. Voilà, les deux sont dans le coffre. Ok, parfait. Je pense qu'on peut partir. Normalement, ça devrait bien se passer si on reste en camion. On va voir. Normalement, ça devrait bien se passer. Bon, par contre, on va pas jouer les héros cette fois. On va prendre notre temps. Ok, très bien. On va voir un peu le chemin qu'on peut prendre. Nous, on doit aller là. Honnêtement, on peut faire ligne droite. Il y a juste ce passage, faire attention. Et après, on est chez les mules, donc on est tranquille. Allez, let's go. Je pense qu'on est bon. Je devrais pas avoir d'averse. Mais après on est chez les mules donc ça va. Je crois qu'elle vient juste d'apparaître là. La tour. Aïe 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 aïe. Attends, moi on va rester là. Poum poum poum. Ok, très bien. Ah, c'est ce chemin-là avec les murs. Ah, j'aime pas ici. On va déjouer le scanner. On va les pirater. Ah, très bien. On va passer sur la côte. On va passer derrière eux. Du coup, ils vont sûrement nous voir. Mais... Il faut mettre des ponts partout en fait ici, c'est relou.
Ah, la bonne musique des mules. Nickel. Nickel. Aucun impact, rien. Chiral, siège de Brice ajouté et donné une nouvelle structure CCP. Ah, mais c'est ce qu'on a vu du coup. Là, il y a vraiment plein de nouvelles petites structures en fait. Chez la Spirit. You can now use your PCC to construct chiral bridges. They require much less space to deploy than the standard type. The unit also includes an ID authenticator that can be used to bar access to anyone but Bridges personnel. Ah, c'est bien ça. Be advised that a safety feature prevents usage during timefall. Use it wisely. Ah, ok, donc c'est pas... Vu que c'est une sorte de... Comment dire... De pont magnétique, là, enfin de pont avec de l'énergie. Il doit se désactiver quand il pleut. Et puis il a dit que ouais, il y a personne d'autre qui sont pas bridge. Les gens qui sont pas de bridges ne peuvent pas le prendre, c'est bien ça. Alors du coup, il faudrait aller chez la Spirit maintenant. Spirit, je crois qu'elle est là. Non. La bonne maman. Réalisateur. Ah non, c'est peut-être là-bas. Je m'en rappelle plus. Elle est là. Oh putain, c'est loin. D'accord. Bon, on va se reposer. On va s'arrêter là. On peut tester un stand de tir juste avant de partir. Genre pour le fun. Genre vu que maintenant le gameplay est un peu revenu, j'y arrive mieux. Ah ouais, bon par contre on est vénère quoi. Ouais, je suis de retour. Je vais casser des gueules. Alors, entraînement classé. Alors, entraînement classé, pour vous affronter d'autres joueurs pour obtenir le meilleur score total et conditions exactes de chaque entraînement classé varie d'un événement à l'autre. À la fin de chaque événement, les joueurs avec le meilleur résultat obtiendront une médaille et bannière spéciale. Ah, donc c'est tout ça. Oh, là, on a quoi? Taser, conservation du champ, shotlist parfaite. Bonus disponible. C'est quoi ça, ces bonus disponibles en fait? Genre, si on est furtif et si on garde des munitions qu'on n'utilise pas tout, on a des points bonus, c'est ça? Ils
Ah, sans la visée auto, c'est pas la même. Yeah. Bien joué, Snake. Enfin, c'était pas mal. Voir un peu. Ah, bon, on aurait pu mieux faire. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, récompense des commandes classées. Classement final sera déterminé si vous obtiendrez les récompenses correspondantes. D'accord, donc on a 74 699. Classement provisoire, 70-80%. Afficher les récompenses de classement. Je vais voir. Médaille arc-en-ciel. Ah, on gagne des métaux et tout, c'est marrant. Bannière obtenue. Récompense. Nous on est 70-80%, on a médaille d'argent G. Il nous faudrait l'or pour avoir la bannière. On va essayer. Ah, c'est chaud du coup! Le fait de me faire toucher, ça compte ou pas? Ah, toi tu m'aides pas avec mon temps. Oh mon dieu. Go go go. Ouais, d'accord. C'est quoi? C'est pire ce qu'on a fait là, non? Ou c'est plus rapide? Ouais, non, c'est pire. Comment on fait pour améliorer le score exactement? Genre, rester furtif, comment je fais pour rester furtif? Ouais, tu peux... Genre, si je fais ça... J'ai ça impossible pour vaincre une... Ouais, ok. C'est bon? Ouais, non, il faut les paralyser pendant qu'ils sont debout. Hein. Alors, attends, est-ce qu'on peut recommencer directement? Peut-être que si on les paralyse sans qu'ils nous entendent? Je sais pas. Je vois pas trop comment bien augmenter, en fait, c'est vraiment aléatoire du coup. Trop loin évidemment. Voilà, d'accord. Un autre.
Non. On a bien fait moins en plus. Hein. Ouais, je vois pas trop comment. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bonus disponible. Pardon. Hop. On va tester ça. Là, c'est combattre des terroristes. On peut les tuer. Ok, go. On peut les tuer là. Ah, ils font mal aussi. La moitié de vie. Beaucoup mieux ça. Okay, il nous en reste 3. Un peu de vie. Ça devrait aller. Go. Oh mon dieu, c'est en l'air. Ouf. Là, faut apprendre l'endroit où aller et tout, quoi. S. 60 à 70%, ben putain. Ah, bannière obtenue. Métaux x 7. Genre bannière obtenue maintenant. Ouais non, ils ont dit qu'il faut attendre la fin, c'est ça? Je crois. Bon bah c'est cool. Ça va, c'est marrant. Ça fait passer le temps. Après c'est un peu ça le problème, c'est que quand c'est des rajouts, quand vous avez déjà joué le jeu, joué au jeu pendant genre 500 heures, des trucs comme ça, bon du coup c'est moins fun parce que bon, hein, le jeu on l'a déjà vu et revu, mais c'est des bonnes additions honnêtement, et c'est vraiment cool pour ceux qui commencent le jeu. On va s'arrêter là, à la prochaine, ciao ciao.